pour grumer le vin. C'est comme ça qu'on appelle le fait d'aérer le vin en bouche et d'essayer de tapisser toutes les papilles gustatives avec le vin et ensuite d'ajouter des petits filets d'air, comme ça, des petits filets d'air successifs pour que l'oxygène touche en fait le vin en bouche et aide les arômes à se révéler. Donc on fait comme ça. Bon, on peut aussi s'entraîner en se brossant les dents au-dessus du lavabo parce que, évidemment, ça prend 2-3 petites fois avant de vraiment réussir correctement. Mais c'est pas grave, entraînez-vous et vous allez voir que c'est ultra, ultra efficace pour la dégustation du vin. Même si c'est pas très élégant de le faire à table, mais bon, voilà, à vous de juger, ou on peut le faire une fois et après on déguste le vin normalement. Mais voilà, ça peut être quand même un petit exercice que vous pouvez faire, puisque vous vous intéressez à toutes les caractéristiques du vin.